Salut à tous. Est-ce que ça fonctionne avec un petit délai? Désolé, j'ai oublié de cocher une petite fonction et du coup, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Est-ce que vous entendez à nouveau le son de ma voix? Salut à tous. Est-ce que ça passe à présent? Salut à tous, est-ce que ça passe à présent? Est-ce que vous avez à la fois le son et mon écran? Je suis vraiment désolé pour ce contretemps de 8 minutes. J'aurais dû vérifier avant qu'il n'y avait pas eu de mise à jour de YouTube. Ah, merci 29. Alors, on m'a demandé de commencer avec, si je me souviens bien, Eramet. C'est ça, Eramet. Donc, salut Davis. Alors, ah, la voix, elle passe pas? Mince, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Ça passe pas la voix maintenant? Oui, c'est bon. De toute manière, vous avez surtout besoin de voir l'écran. Ça, c'est le problème de l'Australie, hein. Le réseau n'est pas aussi bon qu'en France. Et ça peut être assez capricieux. OK. Alors, on va commencer sans attendre par Eramet. Alors, on va utiliser le deal, c'est d'utiliser, comment ça s'appelle, le MACD pour voir ce qu'on peut en faire. Voilà. Donc, tout d'abord, que nous disent les données hebdomadaires? Ah ben, c'est marrant. Ça, j'ai laissé sur place. J'ai laissé sur place l'ancien trade, les deux possibilités de trade qu'on avait mises. OK? Et regardez, notamment le trade, un trade haussier, un trade baissier. On voit que le trade baissier a été touché au point près. C'est-à-dire que le trade baissier, c'était d'engager un trade sur les 102 euros pour aller viser les 81. Et regardez ce qui s'est passé. Boum! Visiblement, tous les traders avaient la même chose sur leur écran. Hein. Bon, alors, trêve de bavardage. Je reprends les choses depuis le début. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir avec le MACD, la première des choses ici, c'est qu'on voit que le MACD, il fait des plus bas. Bon, il est en dessous de son signal. Il a croisé ici. Hein, il a croisé ici. Donc, le signal était donné ici pour ceux qui suivaient le signal assez basique. Et le problème, c'est que pour l'instant, en données hebdomadaires, il n'y a pas de divergence haussière. Vous voyez, les cours font des plus bas et le MACD fait également des plus bas ici. Et à partir de là, eh bien, il n'y a pas de signe a priori précurseur de rebond en données hebdomadaires. Okay. Regardons en données journalières parce qu'on est quand même sur un support. Hein. On est sur un support. Et en données journalières, par contre, c'est un petit peu différent. Comme vous pouvez le voir, le MACD a fait des plus, enfin, le Eramet a fait des plus bas. Et en même temps, on a le MACD, lui, qui n'a pas fait de plus bas. Donc, on a une divergence haussière. La dernière attaque baissière a eu lieu ici, on le voit, hein, avec le croisement de MACD. Donc, si on tient compte simplement du MACD comme outil, on dira qu'on est en situation pré-haussière. Il faudrait maintenant avoir un signal parce on peut pas simplement acheter parce qu'on a une divergence haussière de MACD. Alors, soit vous attendez par exemple que le CCI, c'est un truc que j'utilise très très souvent avec le MACD, hein, vous attendez que le CCI passe au-dessus de sorte de sa zone de survente à moins 100, ça serait pas mal. Alors, pour les plus nerveux, vous pouvez également le faire avant, mais il faut avoir une bougie encourageante. Alors, attendez, je regarde le chat. Est-ce que le son il passe? Est-ce que le son y passe? Je suis vraiment désolé, mais depuis l'Australie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes techniques. Hein. Ils ont une distance à courir qui fait que l'infrastructure, le réseau, il n'est pas aussi bon qu'en France. OK, bon, ça passe. Donc voilà, clairement, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'on est en situation pré-haussière de rebond technique en données journalières, pas en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, il n'y a rien qui nous rassure, on va dire. Ce n'est pas pour ça que ça ne va pas monter, hein, mais on va dire qu'on n'a pas de signal MACD particulier en données hebdomadaires. En données journalières, on a une divergence haussière, mais ça ne suffit pas une divergence haussière, il faut qu'elle soit activée par un signal. Alors, soit vous attendez une belle bougie ici,
c'est-à-dire un style à avalement haussier ou quelque chose qui nous montre qu'il y a un véritable sursaut d'orgueil. Moi, j'aime mieux utiliser le CCI qui sort de la zone des moins 100 et éventuellement derrière, effectivement, je pourrais envisager d'ajouter, mais il faudrait avoir le doigt sur la gâchette quand même, c'est-à-dire à titre personnel, je mettrai un stop en cas de cassure des plus bas parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener puisque le MACD n'est pas dans une situation très favorable. Alors, allez, comme objectif, on peut monter assez facilement, j'ai envie de dire, s'il y a un rebond jusqu'au précédent sommet qui est à 90-20. Puis après, il y a un autre sommet ici à 105. Mais aller chercher plus haut sur la base de ce rebond technique, c'est un petit peu ambitieux. En imaginant qu'on achète maintenant, mais ce ne sont pas des conseils, hein, je vous montre simplement comment je bosse. Hein. On a un objectif à 8% de hausse si on va chercher les 91. Si on met un stop en dessous des plus bas, ça fait du 7%. Donc, ça fait un ratio 1 pour 1, c'est un peu limite. Si on va chercher le deuxième objectif, il est à 24%. Pour un ratio de 7%, pour une baisse de 7%, ça fait un ratio de 3 pour 1. C'est beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est un trade à contre-tendance sur support. Donc, il faut être très prudent quand même. Voilà ce que j'ai à dire pour Eramet. Alors, est-ce que ça vous va? Je vais passer à l'action suivante qui m'a été demandée. Même si vous n'êtes pas servi par rapport à votre action, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous compreniez comment je fais de telle manière que derrière, vous puissiez reproduire. Est-ce que vous pouvez simplement confirmer par le biais du chat que le son il passe et que tout va bien? 29 me dit que c'est bon. Est-ce que je peux avoir une autre confirmation juste pour que... je sois rassuré que je ne sois pas en train de parler pour uniquement deux personnes. Ça ne fait pas beaucoup de... Ah, ok Yves. Bon, ok, ça roule. On passe maintenant à la deuxième action qui m'avait été demandée tout à l'heure. C'était... oui, alors, AXA. AXA, c'est parti pour AXA, code CS. Alors là, il est clair qu'on est sur un support. Attendez, je vais faire le ménage encore une fois. Voilà. Donc, on a quoi? C'est intéressant sur... regardez d'abord, de toute manière, la base, c'est quand même de trouver des supports horizontaux et des supports pour voir si on est sur des zones susceptibles d'entraîner du rebond. Le prochain support, il est là. Donc, on n'est pas sur un vrai support hebdomadaire. Bon, on va dire au sens large, le prochain support, il est... C'est pas mal ça. Bon, on n'est pas sur un support. Hein. Il est clair qu'on n'est pas sur un support en données hebdomadaires. Donc, ça veut dire qu'une résistance pourrait se fomenter hein, sur les 18,8 € à peu près. On n'y est pas. Hein. Alors, le MACD, il est toujours en dessous de son signal. Il ne donne pas de signal particulier. On voit qu'il n'y a pas de divergence haussière. Donc, franchement, c'est pas... Si on coupe le MACD à ce qui est le plus important, à savoir les supports et les résistances, on n'a pas ici de raison de penser qu'on est à la fin de notre périple baissier. On peut avoir des rebonds techniques, ce n'est pas la question, mais le vrai support, il est là, aux alentours de 19,8 €. Hein, et on n'est pas dessus. On est en train de construire un support qu'on va voir en données journalières, à mon avis, mais c'est pas... Le MACD ne donne pas de signaux particuliers. Il n'y a pas de croisement haussier, il n'y a pas de divergence. Okay, on descend d'unité de temps, on va voir les données journalières. Bon, alors là, par contre, effectivement, c'est différent parce qu'on voit bien qu'on avait construit un support et qu'on est en train de rebondir dessus. Hein. Le support, il date quand même de ici, hein, c'est-à-dire, attendez, je n'ai pas les dates. Bon, je masque les dates avec ma barre. Moi, j'ai une barre que vous ne voyez pas qui masque. Bon, on va dire que c'est globalement un mois en arrière. Donc, en ce sens, c'est normal qu'on ait eu un rebond. Là, par contre, en données journalières, on a eu un signal haussier qui était un croisement haussier, mais pas de divergence haussière. Hein, vous voyez,
clairement, les cours avaient fait un plus bas et le MACD avait fait un plus bas aussi. Donc, ce n'était pas non plus un signal extrêmement puissant auquel on pouvait s'attendre. Par contre, regardez, lorsqu'on est revenu la deuxième fois, on a eu ici un plus bas. Par contre, on n'a pas eu de plus bas sur le MACD. Donc ça, c'était intéressant parce que ça veut dire qu'on avait une divergence haussière. Et pour couronner le tout, ici, on a fait un non-croisement haussier qui est un signal puissant de hausse. Donc c'est ça qui explique pourquoi ça monte. Mais en même temps, j'ai du mal à être super optimiste par la suite parce qu'en donné sur l'unité de temps supérieure, on n'a pas véritablement atteint des supports importants. Donc là, on a cette résistance à peu près ici. Voilà, clairement. Là, c'est une résistance. Elle est belle. Ça nous donne à peu près les 21,9. Donc, à partir des 21,9, il faudra faire très, très, très attention parce qu'on aura peut-être épuisé déjà le rebond en journalier au regard du MACD, mais en données hebdomadaires, comme je l'ai dit, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout sur des supports. Hein. Donc, ça peut simplement être un rebond technique. Hein. Voilà. Donc, oui, pour le court terme, mais attention, c'est déjà quasiment épuisé. Attention pour le long terme, on n'est pas sur des niveaux où les investisseurs vont se bousculer. Voilà. Alors, on enchaîne avec, on m'avait demandé dans l'ordre. Alors, à moins qu'on me demande plusieurs trucs, dans ce cas, ça a la priorité. Si j'ai que des demandes individuelles pour une seule action, je les fais dans l'ordre. Donc, Iliad, code ILD. J'espère que vous comprenez comment ça fonctionne parce qu'on s'en fiche un petit peu de l'action que j'étudie. Hein. Il faut comprendre la méthode. Alors, ça, c'est un graphe que j'avais déjà travaillé, mais on va partir d'un graphe vierge. On voit la zone de support ici hein, qui est assez intéressante. Alors, attendez, j'enlève tout. Alors, bon, pas la peine de faire de l'analyse technique depuis des années pour voir que là, on a un support. Ça veut dire clairement que tant qu'on ne revient pas sur ce support-là, il n'y aura pas d'acheteurs qui vont se déchaîner. Hein. Donc déjà, la première des choses, hein, c'est que tant qu'on ne revient pas sur les 131, 132, moi, à titre personnel, je n'achèterai pas. Quoi. Alors, on a eu un croisement MACD signal sur EGAD ici. C'était sur cette bougie-là. Attendez. Là, ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'on a aussi une résistance ici. Donc, on a eu un signal haussier ici, le croisement de signal sur cette bougie. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de divergence haussière avant. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un signal potentiellement super puissant, puisque vous voyez, les cours avaient fait un plus bas, le MACD avait fait un plus bas aussi. Donc, on a eu un rebond, mais on n'a pas eu un rebond extrêmement puissant tel que celui qu'on aurait eu si en plus on avait une divergence haussière, etc. Donc, on est monté, mais vous voyez, ça manque un petit peu de jus. Regardons ce que nous dit les données journalières. Donc, je résume, hein, la baisse devrait reprendre et pour moi, il faudrait voir ce qui se passe sur les 130. Ça serait bien qu'on ait une divergence haussière avant d'avoir un nouveau croisement. Hein. En données journalières, pour Iliad, bon, là, par contre, évidemment, on a eu plusieurs signaux. On a eu un signal aussi ici. Attendez, je vais mettre la zone de réponse. Par contre, ça sera plus clair. Alors, moi, ce support-là, il n'existait pas encore. Au moment où il est arrivé, c'est un support qui n'existait pas. Et regardons maintenant ici. Ici, on avait une divergence haussière. C'est-à-dire que vous voyez, le MACD n'a pas fait de plus bas, alors que les cours faisaient, c'est même pas une divergence parce que les cours n'ont pas fait de plus bas. Donc, c'était rien du tout. On a eu le signal qui a été donné ici. Bon, il a produit quelques effets, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il faut conjuguer avec autre chose. Moi, j'aime utiliser avec le CCI parce que le vrai signal a été donné, en fait, lorsque le CCI est sorti de la zone des moins 100. C'était ici, sur cette bougie-là. Sur cette bougie-là, ouais, j'avais un signal haussier. OK, là, puisque le MACD croisait son signal et le CCI passait au-dessus de 100. Deuxième signal,
ici, okay, où on repassait au-dessus de 100. Bon, ça donne des vagonnettes de hausse, mais le problème, encore une fois, c'est que, regardez, tout ça, ça se produit à un moment où, en donnée hebdomadaire, on n'est pas véritablement, on n'a pas de signal haussier fort avec un croisement haussier suivant une divergence haussière. Vous voyez, c'est vraiment le minimum syndical. Donc, pour moi, ce ne sont pas des super signaux qui donnent des potentiels importants. Donc voilà, oui, ça a fonctionné, mais les résultats sont assez ténus parce que d'une part, on a une résistance hebdomadaire qui est plus forte que tout ici et parce que les investisseurs ne se bousculent pas sur cette action en données moyen terme. Voilà. Regardons maintenant. Alors, dans l'ordre, j'ai dit que je ferai les choses de manière rigoureuse. AXA, c'est fait, IA, c'est fait. Alors, Aguildon me demande soit Equinops, soit Arcos. On va regarder Equinops, au hasard. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, l'important, ce n'est pas que vous soyez servi en termes d'analyse, parce que je ne pourrais pas faire plaisir à tout le monde, malheureusement, mais c'est simplement que vous compreniez comment je bosse avec le MACD. Parce que le MACD, ça ne s'utilise pas tout seul. Hein. Si vous l'utilisez tout seul, vous êtes mort, sans que vous ne savez pas encore. Alors, pareil, je vais faire un petit peu le ménage. Donc, vous voyez qu'il y a une zone que j'ai repérée là déjà. On va faire comme si on démarrait. Voilà, donc là, il est clair. On était sur un support hebdomadaire. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, à partir du moment où on est sur un support hebdomadaire, parce que ce n'est pas la peine de faire de la sophistication extrême si on ne fait pas les basiques. Les basiques, c'est les supports et les résistances hebdomadaires. Okay horizontaux. À partir de là, tout le reste, c'est pour optimiser. Là, ce qui est intéressant, c'est que on est sur un support, je viens de le dire. Alors, c'est embêtant parce que sur le MACD, vous voyez, il n'y a pas de divergence haussière. C'est fâcheux. Et du coup, ça devient un petit peu, je deviens un peu suspicieux. Vous voyez. Les cours font des plus bas. Equinops fait des plus bas. Franchement, ça donne pas super envie, quoi. Ça donne pas super envie comme ça, même si, en données journalières, c'est peut-être différent. Donc, on a eu le signal qui était le signal ici, vous voyez, de croisement, qui a produit une petite baisse, une petite hausse, hein, puisqu'on est passé de 3,3 à 3,7. Ouais, c'était plus de 10%, mais en données hebdomadaires, c'est pas non plus la fête. Donc, on va regarder ce que disent les données journalières, parce qu'est-ce qu'en données journalières, à partir de là, on avait un signal intéressant. Alors, c'est plus intéressant en données journalières, évidemment, hein, puisque là, vous aviez effectivement des plus bas qui étaient inscrits sur les cours avec des divergences haussières. Donc là, ça pouvait être plus intéressant pour acheter. On retrouve, je mets pour mémoire, ça c'était notre support qu'on a vu tout à l'heure, et ça c'était notre résistance, elle est là, voilà, c'est tous les échecs qu'il y a eu. Donc on a navigué entre les plus bas et les plus hauts, le signal haussier serait intervenu. Alors si on prend les choses chronologiquement, à partir du moment où on était sur un support, là, on avait déjà un signal, c'est-à-dire que vous voyez, les cours, attendez, je reprends depuis le début. Bon, vous n'allez rien comprendre. À partir du moment où on était déjà sur des supports hebdomadaires, hein, vous voyez, là, on avait notre première divergence haussière. Donc là, déjà, on pouvait se dire, s'il y a un signal haussier, je le prends. Le signal haussier, il est venu, au regard du MACD, ici. OK ? Sur cette bougie, là. OK ? Là, on a une configuration, bon, c'est une petite valeur, donc c'est un peu compliqué en données journalières, mais ça ressemblait quand même à peu près à un avalement haussier, pas très pur, okay, mais bon, c'était un signal, on va dire, un peu haussier. On sortait de la zone des plus 100 ici, donc ça pouvait être pris, ou alors on le prenait ici pour plus de sécurité. Okay. L'objectif, bah, c'était d'aller chercher la résistance qui était là, qui est pas d'insister plus parce que ça devient utopique, hein, de viser plus que les résistances, hein. On a eu un deuxième signal
au regard du MACD là, avec un non-croisement haussier. Mais ce non-croisement haussier, même s'il a porté ses fruits, on ne pouvait pas le prendre. Parce que vous voyez, une fois qu'il a eu été produit, on était déjà sur la résistance. Donc voilà, si on n'avait pas eu cette résistance au-dessus, on aurait pu le prendre. Okay, mais là, on ne pouvait pas parce que voilà, on n'achète pas alors qu'on est sur une résistance. Quoi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aide un petit peu. Je vais regarder une autre action avec vous. Est-ce que vous suivez ce que je raconte? Est-ce que je ne vais pas trop vite? On dirait qu'il y en a qui se sont endormis. Bon, alors, une autre action. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai Crédit Agricole. Ok, Nicolas, merci. Merci, Davis. Donc, je vais regarder avec vous Crédit Agricole. Pareil, hein. C'est du pédagogique, hein, donc je vais faire de telle manière que vous compreniez le process plutôt qu'autre chose. Hein. J'enlève les anciens passés. Voilà, on est là. Alors, bon, le problème, vous le voyez tout de suite. Hein. Bon, mettons les supports et les résistances. Gros support. Je suis désolé si j'apporte des mauvaises nouvelles à certains, hein, mais de toute manière, je ne suis pas omniscient. Il m'arrive souvent de me planter, donc ne prenez pas tout ce que je dis comme argent comptant. Hein. Voilà. Ça, c'est ce que vous devriez faire avant d'acheter une action de toute manière. Voyez, là, on a un support. Est-ce qu'il est solide, est-ce qu'il n'est pas solide, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne va pas tenir, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on a un support 2017. On est venu embrasser ici en juillet 2018. Okay, bah c'est ce mois-ci en fait. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas génial. Le rebond a bien eu lieu, mais à titre personnel, le MACD ne me rassure pas parce que les cours font des plus bas sur ce Crédit Agricole et le MACD aussi fait des plus bas. Donc, il n'y a pas de divergence haussière. Donc déjà, ça, c'est un truc en données hebdomadaires, je ne prends pas. Et j'attends qu'il y ait une divergence. Si j'utilise que le MACD, on est d'accord. Hein, je vous explique comment j'utilise le MACD. Après, ça peut être mitigé par d'autres éléments. Mais là, on joue avec le MACD. Donc là, il n'y a rien qui me donne envie sur le MACD. En plus, on n'a pas croisé. Et maintenant, en données journalières, c'est différent. On dit, bon, je peux faire du trade de court terme. Je remets... Alors, attendez. Je remets mon... Donc, c'était de 11.4 à 11 à 11.4. Donc, au moment où en données journalières, je vois les choses, voilà comment ça se passe. 11 à 11.4. Le support hebdomadaire, il était là. Donc, on peut se dire, OK, là, ça peut rebondir parce qu'on est sur un truc solide. Dès que j'ai un signal MACD, j'y vais. Là, vous voyez, bonheur ultime. Au moment où les cours sont venus percuter la bête, on était en situation de divergence haussière sur le MACD. Ça, c'est bon. Okay, mais ça ne suffit pas pour acheter. Il faut un signal. Okay, attendez, il faut également mettre tout de suite la résistance parce que si on n'a pas la résistance, on ne sait pas ce qui va nous bloquer. Voilà, c'est déjà pourri. Quoi. Bon, excusez-moi. Donc, là, on avait un très bon signal en plus ici. Avec un non-croisement haussier. Je vous ai expliqué, si vous avez vu la vidéo sur le webinaire, que c'est le signal que j'affectionne particulièrement. Bon, là, on avait un joli marteau. C'est un signe intéressant. Hein. Le champ de japonais en marteau, c'est pas mal du tout. Et effectivement, là, on pouvait envisager de rentrer, mais sans insister, ce n'est pas pour du moyen terme, hein, puisque vous avez vu qu'en moyen terme, on n'a pas de signal MACD intéressant. Et là, effectivement, ça donnait un trade qui était intéressant en disant, la prochaine résistance. Hein. La prochaine résistance, en fait, elle peut même être élargie. Hein. Ouais, voilà, c'est mort. Quoi. Maintenant, c'est mort. Mais à l'époque, ce n'était pas mort. Si on achetait ici, vous voyez, on visait la résistance, ça donnait du 6,5% de hausse. On coupait en dessous, si on revenait en dessous des précédents plus bas, à moins 3%, ça donnait un ratio 1 pour 2, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais là, encore une fois, moi, Crédit Agricole, sur une configuration comme ça, je me sauve. Hein, on est sur une résistance. Hein. OK ? Voilà. Tac, tac, tac. Je crois que maintenant,
ça va être, qu'est-ce que j'ai, Endesa et Metabolic Explorer. Endesa, je ne connais pas le code d'Endesa, je vais la faire à l'ancienne, Endesa. Ah, c'est espagnol, ok. J'espère que vous comprenez la procédure surtout, hein. C'est parce que on s'en fiche de l'action que j'analyse. Hein. Bon, vous avez compris, je vais enlever le CCI. Non, je ne vais pas enlever le CCI parce que je l'utilise autant que vous voyez comment je bosse. Ah, j'ai vu passer une question, c'était sur les volumes. Alors, je vais te dire quelque chose. Je n'utilise pas les volumes tout seul. J'aime bien utiliser l'OBV, qui montre des divergences haussières et des divergences baissières aussi. Okay. En fait, l'OBV permet de repérer des choses. Je vais te montrer comment j'utilise ça. Donc, zone de support évidente ici. Pourquoi c'est ici? Bah oui, ça rebondit ici, ça rebondit ici, ça rebondit ici. Bon, bref, là, on a une zone de support entre 16,4 et 14. Okay. Donc, si on refait le film, je me dis, bon, si jamais il revient, je vais voir si je peux l'acheter. Là, il est revenu. Là, ici. Que se serait-il passé à ce moment-là? À ce moment-là, je regarde mes indicateurs, mon MACD. Moi, je n'ai pas de divergence haussière sur le MACD, donc moi, je n'aurais pas du tout été... voilà, vous voyez, les cours ont fait des plus bas. Et le MACD a fait les plus bas. Donc, ça, pour moi, en données hebdomadaires, je ne prends pas. Okay, pour du moyen terme, je ne prends pas parce que j'insiste, hein, au regard du MACD. Okay, je ne prends pas parce que je n'ai pas de divergence haussière. Alors, le signal, il est venu ici. Okay, mais en données hebdomadaires, je ne l'aurais pas pris pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Okay, je n'ai pas de divergence haussière. Maintenant, je descends en données journalières parce que ce qui est vrai en hebdomadaire n'est pas forcément vrai en données journalières. Donc, je reviens en données journalières. Le support, il est à 16,4. Voilà ce qui se serait passé en temps réel. 16,4, c'était le support, il était ici. Donc, par contre, lorsqu'on est venu le toucher ici, bon, alors pareil, hein, je ne vais pas vous raconter de salade, on a bien eu un signal aussi ici, qui aurait permis de prendre une progression de 17 à 20, donc une belle progression. Mais avec le MACD, moi, je ne comprends pas quand je n'ai pas de divergence haussière. Il n'y avait pas de divergence haussière. Hein. Donc, oui, il y avait un signal, mais à titre personnel, je ne l'aurais pas pris parce que je n'ai pas de divergence. Et donc, ceux qui auraient voulu prendre des risques l'auraient pris, moi, je ne l'aurais pas pris. Alors, à présent, maintenant, donc... Maintenant, je ne touche pas hein, parce que si je reviens en données hebdomadaires, notre zone de résistance, elle est là. Ouais, c'est une zone qui nous a bloqué ici, là, partout ici. Donc ça, ce n'est pas du tout une zone pour acheter. Hein. Pour moi, ça, c'est une zone, soit c'est une zone pour vendre sur signal, hein, c'est une zone pour s'alléger, mais ce n'est pas une zone pour acheter. Hein. Surtout qu'en données journalières, regarde, on va faire les choses dans l'autre sens. Hein. Est-ce qu'on a au niveau... Oui, alors, tiens, je le dis avant de fermer la fenêtre. Ça, c'est important au niveau de l'OBV. Hein. Vous voyez l'OBV, il donne une divergence baissière. Les cours restent à plat, mais l'OBV, il dit que les cours montent. Ils disent non, ça descend. Donc, normalement, l'OBV doit faire pareil que les cours. Et il ne fait pas pareil que les cours, il descend. Donc, ça s'appelle une divergence baissière, ça, sur l'OBV, du coup. Hein. Et ça, c'est une alerte. Donc, je ferme l'OBV. Et maintenant, je regarde le MACD simplement. Alors, ça, c'est encore pire. Parce que, vous voyez, regardez. Sur les cours sur NDSA, on a un plat, alors sur le MACD, on a une divergence baissière cachée. Une divergence baissière cachée parce qu'en fait, c'est les cours c'est le MACD qui fait des extrêmes, en l'occurrence ici un plus haut, et c'est les cours qui ne suivent pas.
Donc ça, c'est un truc qui est super dangereux. Et donc là, évidemment, je ne peux pas acheter. Je pense même éventuellement spéculer à la baisse. Donc je regarde maintenant en données hebdomadaires. Pardon, je reviens parce que d'abord, là, ça colle en données hebdomadaires. Donc, si jamais le MACD croit son signal à la baisse, ça risque de faire très très mal. Okay. Voilà. Si jamais ça croise à la baisse, ça risque de faire excessivement mal. Il faudra encore un signal du côté des chandeliers japonais, soit un avalement baissier, soit quelque chose, idéalement au niveau. Alors maintenant, au niveau journalier. Au niveau journalier, voilà ce que l'on a. On retrouve ici notre zone de résistance que j'ai mentionnée. On va être un peu plus basse que ça. Et bon, que dit le MACD? Le MACD a croisé à la baisse ici. Est-ce que ça m'intéressait? Est-ce qu'il y avait une divergence haussière, baissière? Non, ça ne m'intéressait pas vraiment parce que vous voyez, il n'y avait pas de divergence baissière. Il n'y avait pas de divergence baissière. Là, je suis en train de parler de spéculation à la baisse, hein. Là, je n'aurais pas pris ce signal-là parce que je n'ai pas de divergence baissière avant. Certains l'auraient pris, hein. Moi, j'aime bien verrouiller un petit peu. Donc là, je ne l'aurais pas pris. Par contre, attention, ici, ça ressemble furieusement à ce qui pourrait être un non-croisement baissier. Et ça, c'est un signal excellent. Est-ce que je le prendrais je risquerais, mais je ne le ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas de prêter des actions sur son marché espagnol. Mais on a une divergence baissière cachée ici, enfin un non-croisement baissier qui est potentiellement dangereux. Faudrait voir. Faudrait voir, parce que c'est un signal extrêmement puissant que j'aime bien, mais il faudrait que j'ai une belle bougie qui me montre un affaiblissement important. Genre, encore une fois, une couverture en nuage noir, un avalement baissier, un maroubouzou, etc. Voilà. Voilà ce que je ferais. Donc, est-ce que j'achète en données hebdomadaires? Non. Est-ce que je m'apprête à vendre en données hebdomadaires? Oui. Est-ce que je le fais maintenant? Non, parce que je n'ai pas de signal en données journalières. Et donc, je ne saurais pas comment rentrer. Voilà. Alors, Metabolix Explorer. Alors, pareil, on reprend les choses depuis le début. Ouais, on voit bien tout de suite qu'on est allé chercher une résistance. Alors, je supprime tous les objets tracés. Et voilà. Et on part sur l'hebdomadaire. Bon, non, je vais pas refaire le film. Je pense que vous avez compris. Je vais simplement voir ce que je vois pour le futur. Parce que. Alors. Là, vous voyez clairement. Paf. Il y avait un support. Okay. On est sur un support. On est en train de rebondir sur un support. La bonne chose, c'est qu'au moment où ce support apparaît, eh ben, là, on n'a pas fait de plus bas, mais on a fait. Pardon. Non, on n'a pas vraiment fait un plus bas. C'est à plat. C'est à plat, mais sur le MACD, on ne fait pas de plat. On monte. Donc c'est une divergence haussière cachée. C'est une divergence haussière cachée. Ça veut dire que si un signal, bon, c'est pas mal, ça se prend, hein. Si un signal, on pourrait le saisir. Le problème, c'est que le MACD pour l'instant n'a pas encore croisé son signal. Donc à ce niveau, il n'y a pas de feu vert. Okay. Donc c'est vrai que ça monte, mais à titre personnel, en utilisant le MACD, okay, j'ai pas de signal haussier, j'ai qu'un terreau favorable à la hausse. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'en données journalières, j'aurais pas pu le. Alors, attendez, je reviens, hebdomadaire. Donc, vous avez compris, hein, le support, il est là, et la résistance importante, elle est là. Si j'achète en données hebdomadaires, si j'achète en données hebdomadaires parce que le MACD croît son signal ou parce que bon, là, on a un avalement haussier, hein. On a une sorte d'avalement haussier. Bon, il n'est pas magnifique, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais ça, c'est un avalement haussier. Hein. Donc, voilà, tout dépend de votre degré de nervosité. Hein. Certains seraient rentrés sur cette bougie-là, d'autres auraient attendu que le MACD
croissent en signal à la hausse, d'autres n'attendraient pas. Enfin bon, là, il y avait un signal aussi pour ceux qui utilisent les chandeliers japonais sur support avec un contexte assez favorable de divergence haussière sur le MACD. Okay. Donc, ceux qui seraient rentrés là sortiraient sans doute aux alentours de 2,25. Enfin, avec peut-être ouais, ça reste intéressant parce que vous voyez, le potentiel de hausse, il est de 13%. Si on met un stop en dessous, moins 4%, ça fait un ratio gain-risque de 1 pour 3. C'est pas mal. Bon, on va dire maintenant que vous n'êtes pas rentré parce que le MACD, il n'a pas croisé son signal. On prend les données journalières. On a expliqué, on était sur un support. Le support, il était là. Okay. Ah, c'est différent. Parce que, ben oui, non, c'est différent. Il n'y avait pas de... Les cours ont fait un plus bas, le MACD a fait un plus bas, donc moi, je ne serais pas rentré. En n'utilisant que le MACD, je ne serais pas rentré. Même si on a fait ici un signal aussi avec le croisement de MACD, bon, c'est facile après coup de dire qu'on l'aurait pris, moi, je ne l'aurais pas pris. Hein. Franchement, je n'aurais pas pris. J'aurais plus pris le signal hebdomadaire avec sa bougie et sa divergence haussière, etc., que ça. Maintenant, on pouvait arguer du fait que, compte tenu qu'en hebdomadaire, on était quand même super bien pour un rebond, on pouvait peut-être faire l'impasse sur la divergence haussière sur le MACD en données journalières. Je ne sais pas si je suis très clair, mais bon, il faut éviter d'être trop dogmatique en analyse technique, hein, parce que sinon, on ne fait rien, quoi. Hein. Bon, on va dire que les plus agressifs l'auraient pris. Mais là, par contre, s'ils le prennent maintenant en données journalières, ça va coincer un peu ici, ça va coincer ici aussi. Okay, ça va coincer ici, pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'était un support et on sait que quand les supports sont cassés, ça devient des résistances. Donc, ça a été support, ça a été cassé, ça devient résistance. Donc, attention aux 2,13. Si on passe les 2,13, après, ça va être assez haché parce que là, il y a pas mal de supports et de résistances. Tout ça, en fait, ça, c'est un ancien plus haut. Ouais. Ça, c'est une zone qui est dangereuse. Hein. Si vous avez eu la chance de rentrer à 1,9 et qu'on est déjà à 2, donc on a connu une hausse assez intéressante hein, de 6-7%, moi, je n'insisterai pas au-delà de 2,13. Hein, parce que il y aura beaucoup de raisons de vendre, on va dire. Voilà. Donc, on résume. En hebdomadaire, je n'ai pas de signal aussi au regard du MACD. J'ai un contexte favorable à la hausse, mais pas de signal aussi au regard du MACD, à moins que l'on ait eu pris les chandeliers japonais. Et donc là, je ne suis pas acheteur au regard simplement du MACD. Et en journalier, on a encore 4% avant d'avoir des difficultés importantes. On enchaîne avec... bon, clairement, je n'achète pas maintenant mes textes. Hein, c'est trop tard. Hein. Je n'achète pas mes textes maintenant. Nikox. Première des choses à faire, les bases. Les supports, les résistances, support. On a notre support ici. Ouais, bon. Vous voyez ici, ça correspond à un support. Bon, on va dire que globalement, le rebond peut avoir lieu n'importe quand entre cette zone-là et cette zone-là. Et c'est pas une science exacte non plus, hein, l'analyse technique. Donc, à partir de là, à n'importe quel moment, lorsque l'on revient sur cette zone, on peut avoir un rebond technique. Le problème, c'est qu'au niveau des le MACD en données hebdomadaires, donc pour les investisseurs de moyen terme, style PEA, etc., moi, j'ai rien. Ici, j'ai des plus bas sur les cours, j'ai des plus bas sur le... Moi, j'achète pas. J'achète pas. Même si on revient sur la zone, j'achète pas. Okay. Ce qui ne veut pas dire qu'en données journalières, on ne puisse pas profiter du fait qu'on soit sur un support hebdomadaire, donc genre trading court terme. Okay. Donc, notre support, il s'est levé jusqu'à 7,8. En fait,
lorsque vous voyez ça, vous dites, bon, je ne vais pas acheter pour le moyen terme, mais si j'ai... Voilà, on était sur un support ici. Est-ce que ça valait la peine d'acheter, par exemple, ici? Et pas en données hebdomadaires, mais en données journalières. Moi, je n'aurais pas acheté. Hein. Alors, voilà, peut-être que je suis un petit peu conservateur, mais là, je ne joue qu'avec le MACD, on est d'accord. Hein. Au regard du MACD uniquement, il y avait un signal haussier, hein. Il est là. Hein. Donc, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de signal haussier, je dis que simplement que j'achète avec le MACD lorsqu'il y a des divergences haussières. Et là, moi, je n'ai pas de divergence haussière. Et ça va dans le même sens, donc c'est-à-dire que ça peut aller encore plus bas. Et voilà, moi, je n'aurais pas acheté. Certains auraient acheté à cause du croisement ici, mais non. Bon, alors maintenant, pour la suite, pour Nicox, je répète, en données hebdomadaires, déjà, je n'achète pas tant qu'on ne revient pas sur la zone de support ici. Et donc, est-ce qu'on va aller à 7,7? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 6, jusqu'à 7? Oui, c'est tout à fait envisageable. Okay. Et après, pour acheter, il faudrait que j'ai une divergence haussière et mon signal. Maintenant, en données journalières, ben, là, j'achète pas non plus hein, parce qu'on n'est pas sur un support. Donc, ce n'est même pas la peine. Par contre, on a des résistances qui sont bien réelles. Ça, c'est des résistances. Hein. Donc, acheter maintenant pour aller faire... pour aller faire du 5% alors qu'on risque derrière de descendre de 5% aussi, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Donc, moi, je ne suis pas acheteur sur Nicox à ces prix-là. Okay, je vais attendre que l'on revienne sur la zone des 7,6 et voir ce qui se passe. Okay. Briac, est-ce que je trade les cryptos? Oui, je trade les cryptos aussi. Je trade les cryptos, mais je trade les cryptos... pas en intraday, hein. c'est de l'accumulation hein, de crypto, hein. C'est-à-dire que j'achète des cryptos sur la méthode d'accumulation rationnelle, que vous pouvez retrouver sur le blog d'ailleurs. Il faut que je me dépasse, il est 22h50. Alors, pour ceux qui me découvrent à travers Twitter, j'ai un site, hein. Je vous donne l'adresse du site, elle est là. Donc, vous allez sur Tradosor. Vous faites une recherche. Ah bah, c'est bon. Donc, l'adresse complète, c'est Tradosor Trading. Vous pouvez le retrouver. Vous pouvez tout retrouver le webinaire de base théorique hein, qui précède ce que je suis en train de faire. Il est sur le site, etc. Tous les mois, il y a des webinaires. Découvrez mon travail sur le site, vous allez voir. Vous allez simplement sur Google, vous tapez Tradosor Trading et vous allez retrouver les modules de formation, quelle plateforme j'utilise. Et vous pouvez envoyez-moi, si vous voulez poser des questions, envoyez-moi un mail par rapport aux plateformes, par rapport aux trucs comme ça. Ça, c'est mon mail. Okay. Donc, les cryptos, oui, je trade. Carrefour. Je vais redonner hebdomadaire. Moi, je vais accélérer parce que ça, c'était le support à partir duquel tout a commencé. Okay. Est-ce que j'aurais acheté ça en données hebdomadaires? Ouais. Ça, j'aurais acheté ça parce qu'il y a une divergence aussi, vous voyez. Ça, j'aurais acheté. Mais j'aurais l'objectif en données hebdomadaires. C'est la première résistance. Alors, ça dépend si on trade ou on fait de l'investissement, mais voilà. Là, on a un obstacle dangereux, on a un obstacle intermédiaire ici. On est en train de buter dessus. C'est ça, vous voyez. C'était un support.
et lorsque les supports sont cassés, ils deviennent résistants. C'est pour ça qu'on est en train de se prendre un plafond sur la tête. Donc, ouais, mais là, le problème, c'est que le signal, je me l'ai. Au regard du MACD, hein, au regard du MACD, le signal de croisement, il est juste là maintenant. C'est-à-dire que si on n'utilise que le MACD, on est dans des conditions pré-haussières, mais le signal par le biais du croisement haussier n'a lieu que maintenant, autrement dit après la bataille. Hein, parce que là, vous savez pourquoi, hein, Carrefour a fait une super publication la semaine dernière avec 15% de hausse, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Quoi, hein. Mais si on la joue honnête, hein, au regard du MACD simplement, le signal est donné maintenant, suite à cette hausse de 15%. Maintenant, ceux qui utilisent autre chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le CCI qui passe au-dessus de moins 100, ou alors les chandeliers japonais, là, à partir de cette bougie-là, vous aviez un signal de hausse. Hein. Et à partir du moment où on avait un rami haussier confirmé, bon, c'est un peu technique, mais bon. C'est haussier. C'est haussier, mais le problème en données hebdomadaires, c'est que vous dites, bon, si jamais ça loupe, il faut que je mette mon stop là, moins 20%. Et ma première grosse résistance, elle est à 10%. Donc, en termes de ratio gain-risque, ça ne tient pas. C'est trop tard. Okay. En données journalières, par contre, c'est un peu différent. On voit bien le support que l'on a eu ici, okay, sur lequel on a rebondi, machin. Là, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous voyez, regardez, là c'était bon en données journalières. On avait notre divergence baissière. On avait une divergence haussière sur le MACD. Le signal, il était donné ici. Donc ça, c'était très, très bon. Il ne manquait plus qu'à attendre une belle bougie qui soit significative avec un signal intéressant. À partir de là, hein, à partir du 20 juillet, ça, c'était pas mal. Ça, c'était pas mal parce que, bon, en données journalières, ce n'est pas aussi clair. Hein, mais là, on avait... On avait ce qu'on appelle une pénétrante haussière, c'est-à-dire qu'on commence plus bas que la bougie précédente et on termine plus haut que la moitié de la bougie précédente, c'est un signal aussi. Donc là, vous aviez un beau signal qui vous permettait d'embrasser toute la hausse. Hein. Okay. Et là, par contre, ben ouais, ça crève les yeux. Pourquoi ça ne monte plus? Ben parce qu'on est sur une résistance. Donc, est-ce que moi, j'achète sur ces niveaux-là? Non. Non, je ne peux pas acheter sur ces niveaux-là. OK. C'est trop tard. Donc, en fait, si on suit les règles que je vous ai établies en étant super sélectif, c'est-à-dire divergence, résistance hebdomadaire, support hebdomadaire, etc., moi, je prends mes profits maintenant. Je prends mes profits maintenant. Je serais rentré ici. J'aurais fait 14% en risquant 5%, donc un rapport de 1 pour 3. Et là, je sors sur ces niveaux-là. OK. Voilà, bah, écoutez, je suis désolé, je n'ai pas pu faire plaisir à tout le monde, mais j'espère que vous avez compris surtout comment ça fonctionne. Hein. Donc, étant donné qu'il y a une petite... comme il y a eu, comment dire, il y a eu un petit délai, j'en suis vraiment désolé. Vous allez retrouver sur le site hein, Tradosor Trading le webinaire théorique où j'explique tous les outils que j'ai bien expliqué ce soir, à mettre en application ce soir. Je regarde rapidement les questions. Ecom, Oplata, bah tiens, je pourrais bientôt faire une analyse sans doute parce que c'est vrai qu'elle a explosé là. Clara Nova, c'est peut-être le temps effectivement de faire une mise à jour. Bon, ben bah, voilà. Merci, merci beaucoup d'être venu à une heure aussi tardive. C'est les vacances, je ne sais pas combien vous êtes, mais j'imagine qu'à 22h en plein été, en pleine vacances, vous avez été héroïque. Je ne sais pas combien vous étiez encore une fois sur YouTube et combien vous étiez sur le site. Mais en tout cas, merci. Ah, vous êtes là quand même. Hein. Il y a un petit plus là. Vous pouvez mettre un petit plus si vous voulez. J'ai remarqué. Vous êtes quand même 36 sur YouTube. Alors, je ne sais pas combien vous êtes sur le site, puisque vous pouvez le regarder depuis YouTube et depuis le site. Mais je ne pensais pas que vous seriez autant. Yves. Bah, écoutez, voilà. Donc, je suis Tradosor. Si vous me découvrez en même temps mon site, mon travail, tous les jours, c'est des nouvelles analyses techniques.
N'hésitez pas à revenir demain. Bah, là, je vais travailler sur ma vidéo quotidienne du CAC 40. Il est 11h. Je vous souhaite une très bonne nuit. J'espère que le MACD vous apportera quelque chose dans votre trading et surtout dans vos investissements, parce qu'on n'est pas là non plus que pour rigoler. Hein. L'analyse technique, c'est aussi et avant tout, j'ai envie de dire, pour les investisseurs. Faites-moi plaisir si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Je vous explique pourquoi. C'est parce que les gens regardent souvent le nombre de pouces avant de regarder ou pas. Donc, si vous trouvez que ça a une utilité, vous mettez un petit pouce bleu et moi, ça me permettra d'avoir une vidéo qui sera plus regardée. Voilà. Donc, bonne nuit, un bel été à vous et je vous donne rendez-vous sur le site tous les jours pour de nouvelles analyses techniques.